Hey bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mr. Fox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un épisode de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Apparemment il y a beaucoup de bruit chez moi, je viens d'entendre ça, bref, c'est pas grave. Donc, je vais faire juste l'émission qu'on avait acceptée la dernière fois, mais je vais aller le faire en ellipse, hein, tout simplement pour avancer un petit peu plus rapidement. Donc voilà, je vais vous passer ça. On va aller à la grotte Péril. J'ai augmenté voilà les niveaux de mon équipe durant l'entre-épisode. Donc on a des niveaux plutôt pas mal. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse du coup. On se reprend à la fin du donjon quand j'aurai fini toutes les missions. Allez, à tout de suite. Eh bien, re, j'ai fini le petit donjon. Donc on va se prendre les petites récompenses évidemment. Oh, une résugraine, tiens, bah c'est cool ça. J'ai fait pas mal de missions, j'ai un peu galéré sur la fin du donjon, parce que j'avais plus de bouffe, et donc j'ai failli crever. Mais ça va, ça s'est plutôt bien passé quand même. Le donjon faisait 8 étages, donc comme le mont Acier, donc c'était pas non plus trop compliqué. Mais par contre, les Pokémon étaient beaucoup plus puissants, j'ai l'impression, qu'au mont Acier, donc ouais. Mais ça va, on a bien géré quand même. Ok, c'est bon, il y avait que ça, ok. Quelle journée, on mérite un peu de repos. À demain. Le lendemain matin. Salut Fox, aujourd'hui encore on va faire de notre mieux. Fox, Ryu. Tiens, qui c'est? Oh, je n'y pense, ça faisait longtemps. S'il vous plaît, aidez mon copain. Qu'est-ce qui se passe? Je jouais avec Crisacier, mais il est parti dans les bois et il n'est pas encore revenu. Il a dû se perdre. Oh, le pauvre, ça a l'air grave. Encore vous? T'inquiète, on va le sauver, ton pote Crisacier. Attendez un peu, Chenipan nous a demandé avant. Et vous comptez faire quoi au juste, bande d'amateurs? Pardon? Laissez faire les pros. Quoique, si vous tenez tant à le faire, ce sauvetage, on peut s'arranger. Chenipan, je te propose un marché. Et si tu donnes la récompense à l'équipe qui ramènera ton pote en premier. Mais je n'ai pas d'argent. Oh, c'est pas grave ça. On ira voir ta maman, je suis sûr qu'elle sera généreuse. Et tu sais quoi? Tu pourrais nous rejoindre et devenir mon bras droit, imagine un peu. Chenipan, membre des maléfiques. Ça en jette, non? Bien, marché conclu, Ryu. Le premier qui file la mission gagne. Allez, bougez-vous, on a du boulot. T'inquiète pas, on retrouvera ton ami en premier. Fox, allons-y. J'ai même envie de te dire qu'on va y aller tout de suite. On perd pas de temps, nous. Et aussi, le bois, il s'appelle Bois Sinistre. Qu'est-ce que ça allait foutre là-dedans? C'est ici que Crisacier s'est égaré. L'équipe d'Ectoplasma doit déjà être dans les bois. Dépêchons-nous. Bon, je suis de type feu, donc ça devrait aller pour moi. Oh putain, les pièges qui font dormir, quoi. Il y a un Pokémon KO à cet étage de l'île pomme. Ah. Donc c'était pas des missions, les trucs KO que j'avais eu avant. Non, parce que j'avais perdu deux pommes avant. Et c'est à cause de ça que j'avais plus de bouffe au final. Hein. Permet une capacité de récupérer parfois un PP lorsqu'elle en a plus. Cette capacité peut s'appliquer à tous les membres de l'équipe. Ok. J'espère que je vais trouver des pommes parce que bon. Sinon, je vais être dans la merde. Ouais, va falloir que je trouve des pommes, sinon on va vite être dans le caca. Putain, 67 PV. Magnéti, je sais pas comment il fait pour être tout le temps en retard. Oh merde. Merde, mais c'est pas ça, putain, j'ai cliqué trop vite. Putain, je voulais l'utiliser moi le Béoran. J'ai chié. Putain, oula, cette pomme. C'est pas du tout chiant cet endroit. Il y a un Pokémon KO à cet étage, oui, bah j'ai plus de pommes. Hein. Connard! Moi je veux bien aider les Pokémon KO, mais hein, allez vous faire foutre. Hein. Oui. J'ai pas envie de donner de pommes, j'ai plus de pommes! Ok? Enfin, j'en ai une, mais je la garde pour moi. Et ça, c'est pas réglo. Grosse pomme, manger. Il est où le. L'escalier? Genre, c'est un peu compliqué là. Ah ouais, si tu veux, rejoins l'équipe. Allez hop, casse-toi. Oh putain, ce que c'est long quand ils sont devant. Montée de niveau. Parfait.
Oh putain, merde. Non, mais t'es sérieux? Bon, je suis désolé, mais j'utilise rien. Oh là là, bordel. Pfiouf, il est un peu chiant ce donjon-là quand même. Ok, on est arrivé au fond. Ça fait longtemps qu'on marche dans ce bois. Je me demande si on va trouver Crisacier. Pas un geste. C'est nous qui allons trouver Crisacier en premier. Désolé, mais vous irez pas plus loin. Quoi? Ectoplasma, pourquoi tu te mets toujours en travers de notre route? Nous vous l'avons déjà dit. C'est pour dominer le monde. La mère de Chenipan va nous donner une belle récompense. Et Chenipan va se joindre à nous. Nous nous rapprochons du but. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser chambouler nos plans. Désolé, mais la fête est finie. Gare à toi, Ryu. Je vais tellement vous ralasse en fait. Putain, il va finir par crever lui ou quoi? Putain, mais meurs! Putain, heureusement qu'il est con, lui. Aïe. Putain, il va finir par crever, lui aussi, là. Parfait, voilà. Eh, hey, on les a gérés ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Ah, vous perdez rien pour attendre, je me vengerai. Ah ouais, casse-toi. Ouf, ils sont partis. Maintenant, faut retrouver Crisacier. Cette gueule. Vous êtes à ma recherche? Tu dois être Crisacier. Je n'y pense, t'inquiète énormément pour toi. Viens, on va te ramener. Super! Je n'en pouvais plus t'attendre, j'ai eu si peur. Heureusement, vous êtes là maintenant. Merci. Est-ce qu'on ne serait pas une équipe de secours exemplaire? Je suis si content de te revoir, Crisacier. Moi aussi, Chenipan, merci. Et merci à vous aussi, Ryu et Fox. Par contre, je n'ai pas d'argent à vous donner. C'est pas grave. Crisacier est sain et sauf, c'est ça le plus important. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes encore plus sympa que je ne le croyais. Quand je serai grand, je ferai des sauvetages, moi aussi. C'est super, ça. Courage, tu réaliseras ton rêve. Ah, j'y pense. Fox, et si on construisait une base? On pourrait en faire quelque chose de vraiment impressionnant. Oh, ce serait vraiment super. Et quand je serai grand, je viendrai travailler avec vous. Moi aussi. Alors c'est décidé. On va installer la meilleure base du monde. Ouais, moi je dis c'est un projet ça. Un projet de vie. Fox et Ryu, nous allons vous laisser. Encore merci. De rien, à bientôt et faites attention à vous en rentrant. Putain, la manière de se déplacer de Crisacier par contre. Waouh. Dire qu'on a travaillé gratuitement, tant pis, c'est pas grave. Au moins, on a pu donner une bonne leçon à cette infâme ectoplasma. Bon, je suis épuisé, on reprendra demain. Allez, bonne nuit. Bah ouais, logique. Le lendemain matin... Pa-pa-da-da-pa-pa. Salut Fox, prêt à sauver plein de Pokémon en détresse? Bonjour. Hein, quelqu'un a parlé? Est-ce que c'est bien ici la base de l'équipe des Pokémon MMO? Oui, t'es au bon endroit. Mais... Il faut l'aider, s'il vous plaît. Hors de question, n'acceptons pas ce genre de mission.
Mais il suffirait d'une rafale pour l'aider, je vous en prie. Je me souviens de toi. T'es le Cotovol de la place Pokémon. T'avais demandé à l'équipe de Tengalis d'aller sauver ton ami. Justement, à ce sujet, Tengalis n'est pas encore revenu de la mission. Mon ami est toujours là-bas. Quoi? En fait, mon ami Cotovol est bloqué entre des rochers. Nous, les Cotovol, nous pouvons virevolter où bon nous semble au gré du vent, mais il n'y a pas la moindre brise. Pourtant, le temps est orageux. Ah bon? C'est étrange, en effet. Les feuilles de Tengalis peuvent générer des vents puissants. Et je pensais que ça suffirait pour déloger mon ami. Mais Tengalis n'est pas revenu. Bizarre, c'était pourtant pas un sauvetage compliqué. Ça mérite une enquête. Je le savais, Fox. Les grands esprits se rencontrent. Parfait, on va mener l'enquête. Vraiment, c'est très gentil à vous. Pas de soucis, tu peux compter sur nous. Allons-y, Fox. Et là, excusez-moi, on va quand même se préparer un petit peu parce que bon, on a plus de béorons, on n'a plus de pommes, on n'a plus rien. Alors, on va commencer par vendre toute la merde, hein? Du genre, 2 huiles max. En fait, 2 en plus. BP chat, on s'en. Enfin, je vais en garder une quand même, au cas où. Graines vite, on s'en bat les couilles. Explograines, on s'en bat les couilles. Roupigraines aussi, en fait. Quoi qu'on on pourrait s'en servir, c'est vrai que j'y pense pas. Les branches, machin, on s'en fout. Allez hop. On joue pas stratégique, nous. On a rien à foutre. Retire le statut de transcendance à tous les Pokémon de l'étage alliés comme ennemis. Ne fonctionne pas à certaines situations. Permet de mettre KO tous les ennemis de la salle en un coup. Oh, c'est pratique ça. Et on va acheter 2 pommes. Toi, est-ce que t'as des CT intéressantes? Fatal Foudre, Séisme, Tombe Roche, Éclair Fou. Qui inflige des dégâts également utilisables en ville dans la liste de. Inflige des dégâts à la cible, mais le lanceur subit également des dégâts à cause qu'on trouve. Ah, c'est chiant. Ah, mais à chaque fois, il parle à lui alors que je parlais à la réserve. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va déposer? Bah, rien en vrai. Par contre, on va retirer. On va retirer. On va retirer des minières du graines. On va retirer des béorans. Allez, hop, la banque. On va rien poser. Est-ce qu'il y a un truc par là? Ils sont là, eux, ok. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Merci, merci, ok, bon bref. Du coup, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Il est un peu plus court que les autres, je pense, de l'épisode. Mais si on se lance dans la rescousse de machin truc, ça va durer longtemps. Je vais juste voir à quel donjon c'est. Val silencieux, voilà. Comme ça, on va aller voir si on a des missions en Val silencieux. Pour faire ça en même temps, hein, voilà. Droit de péril, bossiness. Non, on n'a pas de mission là-bas pour l'instant, donc on va pas prendre de mission. Donc voilà, j'espère que cet épisode du coup de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve du coup demain, lundi, pour un nouvel épisode de ce petit let's play. J'espère en tout cas encore une fois que ça vous a plu. Et puis du coup, je vous dis salut à tous. Allez, ciao, merci d'avoir regardé.